Et ben, me voilà installé dans cette belle petite pâture entre deux arbres pour un petit bivouac. C'est chouette, hein, près d'un pommier, puis là ma petite cabane, hein, pour prendre mes repas. Voilà. Regardez ça. Là, j'ai tous mes ingrédients, hein, sel, poivre, huile, enfin tout ce que tu peux imaginer, hein. Bon, ben, voyez, hein, ça. Ce rétréci, ça commence à bien monter là. Ben, malgré tout ce qu'il a plu depuis dimanche, on est mardi aujourd'hui, ben, il n'y a pas beaucoup d'eau. Hein. Faut le temps que ça redescende, hein, les copains. Et ben, quand t'as monté ça, t'es pas déçu du voyage. Hein. Ben, j'ai déjà monté tout ça, et puis il m'en reste encore, hein. C'est de pire en pire, ça fait les pattes, et puis c'est tout. Par contre, je vais enlever la veste parce que je commence à transpirer. Mais voilà, hein, je suis à mi-pente, et ça fait du bien d'avoir enlevé la veste, je vais pouvoir poursuivre sans me liquéfier. Allez, c'est reparti. Et ben, les petits copains, c'est pas une mince affaire quand même. On va partir d'ici, il n'y a plus du tout de chemin. Je vais essayer de m'enfrayer un par là. Mais bon, c'est pas du garanti. Hein. J'ai pas mon coupe-coupe de la jungle. C'est pas évident. Hein. Je vois un peu de jour là-bas. Je vais essayer de trouver un passage. Alors c'est vrai, ce qui n'est pas évident, j'ai pas de coupe-coupe, mais j'ai ça. Donc je progresse tout doucement. Mais voilà, bah, je suis en train d'ouvrir peut-être un sentier. Hein. J'ouvre un sentier pour l'avenir. En tout cas, l'avenir, le mec qui viendra où je suis là aujourd'hui, bonjour. Hein. Faut en vouloir. Bah, pas de sentier, hein, je viens de par là. Hein. Il y a un petit bout de roche là. Faut que je trouve un passage. Et eh bien mes petits copains, pour accéder à ça, moi je dis qu'il faut le faire. Hein. Bon ben, j'aurais ouvert une nouvelle voie. Je suis arrivé sur un pseudo plateau, enfin, dans une forêt de sapins. Bah, je vais suivre une rangée, hein. On verra bien où ça mène. Et eh ben, je viens de là, j'en étais sûr. Ça arrive sur un chemin. Et ce chemin-là, bah, descend, il a l'air carrossable, donc bah, je vais le pratiquer. Hein. C'est parti. C'est parti pour la grande descente. Les petits copains qui chantaient bien, ben je vois où je vais arriver. Hein. Je vais arriver à la première roche de qui est au-dessus de Fépin. Là, hein. Voilà ça. Ça, c'est mon arbre. Là, on échangeait nos énergies. Il me donnait de la force. Et voilà la vue qu'on avait. Alors tout au fond, vous voyez le village de Hebb. En bas, c'est la Meuse. Alors une fois qu'on était sur ce point de vue-là, là, on était bien. Et il commence à pleuvioter. Pain, vireux là-bas au fond, enfin toute la vallée, hein, tout ce qui va jusqu'à Givet. Et puis bah, ce côté-là, c'est vrai que Hebb, c'est très très étendu. Hein, ça va pratiquement jusqu'à fumer, hein, Hebb. Eh bien, les copains, j'ai bien transpiré, hein. Putain. Heureusement que j'ai un t-shirt pour me changer. Nom des dieux, toi. Donc, j'en ai un autre pour me changer. Un bien sec. Là, je suis revenu à mon studio des bois. Eh oui, c'était une putain de rando. C'était pas une mince affaire, hein. Et...
que de grimpettes, que de grimpettes. Mais ça y est, il pleut. Bonjour Noël. Aujourd'hui, je t'invite à prendre autre chose que du pâté Enaf. C'est toujours de l'Enaf. Alors tu vas rigoler. Parce que c'est une mousse Enaf, une mousse de pur canard. Donc comme toi, pur canard. Donc ils ont pris un mec comme toi, ils l'ont broyé, et puis ils l'ont foutu dans des boîtes de pâté comme ça, tu vois. Enaf, pur canard. Alors c'est une mousse, c'est exceptionnel parce que là, toi, tu connais que le pâté Enaf, là, pour l'instant, le pâté de jambon, là. Mais cette mousse de canard, c'est une merveille, une merveille. Tu dirais du foie gras, tellement que c'est bon. Voyons voir ça. Rate des dents. Oh, dis donc, ça sent le canard, ça sent le canard. Et voilà le canard, il est là le canard. Allez, un bon morceau de pain. Oh, tu me tartines, hein, tu vois, c'est de la mousse, hein. Voilà, tu vois. Tu me tartines, mon pote, et tu te régales avec ça. Ça, ça te refait de l'énergie après la. Tu vas nourrir. Ouais. Putain, c'est bon le canard. Hein. C'est bon à bouffer le canard. Voilà. Mon Jean Noël. Je me suis régalé. Je lui ai fait sa fête, là. Je lui ai fait sa fête au canard, regarde. Il reste plus rien. Hein. Ah, j'ai tout bouffé. J'en connais un qui va se marrer. Que j'ai bouffé le canard, c'est le poulet. Ah ouais. C'était bien bon. C'était bien bon. Il faut que je boive un petit coup pour faire passer tout ça. De se réhydrater. Bon. Voilà. C'est suffisant, hein, quand tu as bouffé ça. Avec ta demi-baguette, quasiment. Je vais garder un petit bout de pain. C'est ce que j'aime bien avec la pomme. Je trouve que ça a bon goût. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Non, chouette journée, franchement. Mais c'est vrai que moi j'aime bien partir le matin. C'est là que c'est le mieux. T'as personne. Bah, t'as vu, j'ai marché pendant 3h30. Bah, c'était pas du grand beau temps, mais il pleuvait pas. Là, allez, j'arrive. Heureusement que je suis dans mon studio, dans ma cabane. Des bois, il pleut. Et puis c'est tout. Un bout de pomme, un bout de pain. C'est un peu mon dessert, un gâteau aux pommes, tu vois. Bon, ceci dit, bonne journée à tous. Bon courage à toi qui bosses, mon journal. Et aux fines herbes.